Salut les amis, c'est Bigouf. Bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo dans World of Tanglit. Aujourd'hui, on va faire un petit vous demandez, je fais. Alors, ça va pas être une masse à faire pour moi, car comme vous le savez, je ne suis pas fan des TD. Et aujourd'hui, on va partir sur deux chars qui est presque identique, le fameux T28. Alors, on va avoir deux T28, le fameux T28 Prot et le fameux T28, le T28. Alors, où est-ce qu'il se trouve dans la branche? Eh ben, les voici, les voilà. Donc, vous pouvez vous décider à partir du Wolverine, où c'est que là, vous aurez le choix entre le L4 et le Jackson, pour après vous choisir le fameux T28 Prot ou le T28 Standard, qui, lui, débloquera soit le T30, un TD de tiers 9, ou le T95, qui est également un TD de tiers 9. La seule particularité du T30, c'est qu'il se joue un peu comme un lourd. Voilà, c'est un petit peu ce que je peux vous donner comme conseil, pas comme avis. Alors, on va repartir au combat. Pourquoi je dis on va repartir? C'est parce que, voilà, comme vous le voyez, hein, j'ai plus les x2 qui sont activés. J'ai eu un gros bug d'enregistrement, donc obligé de tout recommencer. Yahoo, Bigouf, il est content. Voilà. Donc, on va recommencer le truc à zéro et on va partir tout de suite au combat avec le fameux T28 Prot. C'est parti! Alors, nous partons en plus en suprématie. Et qu'est-ce que nous avons en face de nous? Nous avons un E75, un Tortoise, un IS-3, un ISU-152, un Lao, un RU-251 et un STA-1. Nous sommes équipés d'un IS-8, d'un Léopard PTA, d'un IS-3 Defender, d'un IS-6, d'un RU-251, d'un T-54 LTWT et bien sûr, il y a moi. Très bien. Alors, à l'attaque. Bah oui, à l'attaque. Bon bah c'est parti, moi. Vous énervez pas. Calmez-vous. Oui, on a compris, on y va, tranquille. Moi, je vais passer par là. Voilà, donc un peu déçu, un gros bug d'enregistrement. En plus, j'avais fait une belle partie avec ce T28 Pro. Un peu déçu, j'espère que je vais pouvoir refaire la même. Mais bon, tant pis, ça arrive les petits bugs. Voilà, alors. Oula, attention. Alors déjà, ça promet. Regardez ce magnifique T-54 LTW qui essaye de monter sur les murs. C'est peut-être pris pour Spider-Man, qui sait. Non mais, hé, les gars, vous avez l'attention de tous camper ici ou il y en a un qui bouge? Mais non, mais c'est pas... Non, ça va pas être croyable quand même. Ne dites pas que c'est pas vrai. Oups. Là. Oh là 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 là. Oh là, attention. Tac, tac. Voilà. Le T-54 qui essaye de se faire, je sais pas qui, mais alors ça va être terrible pour lui. Et voilà. Merci. Au revoir, à bientôt. Alors là, par contre, tiens, je vais tenter moi. Lui. Salut. Boum. Ouais, ça c'est bon ça. Oh le 75. Non, ne bouge pas. Comment il a réussi à faire à l'aide alors qu'il est mort? Là, j'ai pas trop compris. Ah, ce qui est bien, c'est que tout le monde... Oh, attendez, oh, le tortoise. Par contre, on a lui, là, qui... Est-ce que vous croyez qu'il a bougé ou pas? Ah non, il est encore là-bas. Oh, tu m'as raté. Bah, pas moi. Ah, le RU. Alors ça, c'est une HE, comme vous me dites, les amis. Voilà. Oh, le tortoise. Ouh, je vais essayer de me dépêcher, mais je pense qu'à mon avis, j'aurai pas le temps de le rattraper. Eh ouais, voilà. Ok. Ok, alors on va regarder un petit peu. Bon bah malheureusement voilà, une belle déculottée, ça a été du n'importe quoi. Encore une fois de plus, c'est terrible, mais bon c'est comme ça, c'est le jeu mes amis. Alors nous on va regarder en tout cas maintenant cette défaite, voilà, c'est un peu dommage. On va voir, bon, je pense que mes amis les scores parlent d'eux-mêmes. On a fait un magnifique score de 2736 avec 2 kills. On a un T54 qui a fait un beau 0. Bon voilà, ça parle d'eux-mêmes. On va regarder tout ce qui est crédit. Et là, on regarde, eh ben, on a perdu 231 de crédit. Bon, allez, on va dire que ça reste
correct, hein, on a fait une défaite, voilà, on a perdu moins de 500, ça fait toujours plaisir. C'est comme ça les amis, c'est le jeu, mais voilà, il faut savoir être sport, et j'y suis, même si on a pris une belle déculottée. Alors, voilà, avec ce magnifique T28 Prot, une belle défaite, je pense qu'on va faire la même avec ce fameux T28, mes amis. Bah vous savez quoi, allez, on part au combat tout de suite, au combat. Alors, et nous repartons en... Là, nous partons en carrière, pardon. Et nous avons quoi en face de nous? Nous avons un T54E1. Nous avons un WT Offpender, un IS3, un RHM, un RU, un STA1, un VK4502A. Nous nous sommes équipés d'un E50, d'un T54, d'un IS3, d'un RHM, d'un T44 et d'un VK4502A également. Ok. Alors vous avez vu par contre, hein, j'ai suivi votre conseil, hein, dès que j'ai vu le RU, tout de suite me suis mis à la HE et là, bim bam bim dans tes fesses, absolument vrai. Ok, alors attendez, moi je vais me mettre, je vais tenter, oh un petit RHM, très bien, donc ça c'est pareil hein, comme vous me dites, à la HE, par contre faut vite que je me place. Par contre là je suis très très mal positionné, est-ce que vous croyez que ça va taper là? Non. Oh il a rebondi. Par contre, non, le... Attends, excuse-moi, je te gêne parce qu'il faut que je me place correctement. Voilà. Ouais, par contre, là, c'est pas terrible, là. Pas terrible du tout, hein. Je vais pousser un peu. Voilà, très bien. On va même... Hop là. Ouais, vas-y, vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y, vas-y. Vas-y. Allez. Ah, il va pas se montrer, saloupio. On a tapé dans le canon, j'hallucine. Mais non. On n'a pas le droit de faire ça. T'as pas le droit. T'as vraiment... Oh, toi, par contre, à mon avis. Allez, yeah, dommage. Dommage, j'ai une rotation un petit peu trop longue. Alors, par contre, je vais... Voilà, je vais... Oh, toi. Toi, l'IS3, je pense qu'on va peut-être pouvoir t'en mettre une bonne. Ouais, c'est bon, ça. Oh, oui. Oh oui, c'est bon. Absolument, ouais. Non, mais reviens. Ne nous quitte pas. Ouais, mais j'ai peur que si... si je lui tombe dessus, ça va peut-être pas le faire, vous croyez? Vous croyez que ça le fait si je lui tombe dessus ou pas? Bon, quand je dis ça... Attention. Et bim. Bah, oh, bah, casser la fille. Par contre, on a intérêt à faire très vite, parce que si l'autre là-bas, il nous regarde... attends, par contre, là, je peux pas t'aider. Je peux pas t'aider. Là, je peux t'aider. Oh non! Il a pas percé! Bon, vous êtes mignons tous les deux, là, mais il va falloir vous décider, hein. Voilà. Vous étiez mignons tous les deux, ils s'embrassaient comme ça, mutuellement. Allez. Alors là, je... Oh, bah, j'ai même pas eu le temps... Alors c'est marrant parce que tout à l'heure j'ai fait l'inverse en fait, quand on a commencé la première vidéo, enfin quand j'ai essayé du moins, le T28 c'était une magnifique vidéo avec une belle victoire et là j'ai réussi avec celui-là alors que les autres c'était... Ouais bon c'est pas mal, c'est pas mal. Alors on va regarder un petit peu les scores mes amis, bon pareil, une très bonne équipe encore, hein, merci à la team. On a fait bon là un petit score de 1628, pas terrible, terrible. Hein. On va regarder un petit peu les crédits et bon ça va, on est en positif quand même avec 2195, ça fait plaisir. Voilà un petit peu l'expérience. Vous savez quoi, les amis? Vu cette magnifique défaite avec le T28 Prot, on va... Allez, je vais retenter le combat avec vous. On va retenter au cas où, on sait jamais. Ça se trouve, ça va peut-être être pire, mais bon, on tente. Allez, c'est pas grave, on se laisse aller. Alors, nous repartons en suprématie. Et qu'est-ce que nous avons en face de nous? Nous avons un Ferdinand, un IS3, d'un ISU-152, d'un T44, d'un T54 LTWT, d'un T32 et d'un T29. Nous nous sommes équipés de deux IS3, dont un IS3 Defender en plus, d'un RHM, d'un T44, il y a moi, et d'un Chobelt. Ok. Alors, là, ils ont... Ouais, je partirais bien sur la C, mais le problème, c'est que si je pars sur la C, et vu ma vitesse de pointe... Moi, j'irai plus sur la B. Allez, je vais aller sur la B. Voilà. Bon, alors, ça se trouve, on est reparti. Hein. Je suis peut-être trop lancé une partie, j'aurais peut-être pas dû. Non, attendez, là, je me mets juste là. Voilà, très bien, ça. Allez, le T44. Bien sûr, je peux pas le voir d'ici. Très bien. Ouh, est-ce que je vais pouvoir éventuellement te voir? Allez, je vais tenter. Ok. Ah, j'aurais peut-être dû attendre.
J'aurais peut-être dû attendre. Je ne le vois plus sur mon radar. C'est dommage. Capturez la scie, les gars. Voilà, très bien. Allez, on se dépêche. Enfin, on se dépêche. Façon de parler, bien sûr. Bien sûr. Oh non, il a tiré trop bas. J'hallucine. Ok. Ok, ok, ok. On se calme. On se calme, on se détend. Oups là. Là, je peux pas y en mettre plus. Ah non, ça va être tendu là. Hein. Je ne vous le cache pas, mes amis. Voilà, je le vois. Il faudrait juste qu'il avance encore un peu. T'as pas l'attention? Ouais, très bien. Voilà. Très, très bien. C'est ce que je voulais. Oh, le Ferdinand. Oh, le Ferdinand. Oh non, mais non, mais j'ai pas. En plus, je voulais pas là. Oula, par contre, on va se reculer un peu. Oula, attention, il y a lui qui nous regarde. Non, mais c'est moi ou il a réussi à louper son tir Oula, allez, qu'est-ce qui se passe là? Mais non, mais reste pas de côté comme ça là, tu leur facilites le travail. Hop, moi j'ai raté le bouton. Voilà, bah oui, ça c'était sûr. Tac, 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 aïe. Ah tiens, le vla. Ça y est, le vla. Oh là, bah là, moi, je sais pas pourquoi, je le sens très mal. Voilà, bon, déjà, là, c'est fait. Ok, ok, alors, ouais, on va réparer, parce que déjà qu'on n'est pas très rapide, bah alors là... C'est... Oh oui, toi. Ok, donc là, par contre, le problème qu'il y a... Aïe. Oh, t'as un méchant, toi. T'as un méchant. Bon, par contre, faut recapturer des bases, les gars, parce que là, on est mal barré. Oh là 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 là. Je peux pas y en mettre une ici, non? Ça passerait pas? Non, ça passerait pas. Par contre, toi, ça peut passer. Voilà. Oh là 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 là, ça c'est bon, ça. Oh, que c'est bon, ça. Allez, je retente. Oh là là, que ça picote. Allez, il est pour nous ou pas? Allez, on y croit? Oh non, j'ai pas le temps. Tiens, on va coucher un arbre pour la peine. Et voilà, le palmier, couché. Bon, bah voilà, mes amis. C'était pas trop mal, cette partie. On va regarder un petit peu les scores. Alors, voyons voir. Eh, alors là, en plus, que dire de mieux? On a fait un score de 3383. C'est bon, ça, avec 2 kills. On s'est encore amélioré, dis donc. À croire que vous me portez chance, les amis. Pourtant, j'aime pas les TD, hein. Ça, je vous le garantis, mais bon, voilà. Alors, on va regarder un petit peu les crédits, sachant qu'on a utilisé, là, cette fois-ci, un consommable, et on est quand même encore dans le positif, hein, malgré toutes ces dépenses qu'on peut regarder. Nous sommes à 2592, et ça, ça fait plaisir. Ouais, ça, c'est bon, absolument. Voilà, les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Donc, dites-moi un petit peu sur lequel vous êtes plus partant, si vous êtes plus sur le T28 Prot ou le fameux T28. Bon, je vous le cache pas, moi, j'aurais une préférence plus sur le T28 Prot du fait qu'il dispose d'une tourelle. Attention, mes amis, ne vous faites pas avoir, la tourelle ne fait pas un 360. Je crois que ça doit être 260, je crois, ou 270, si je dis pas de bêtises. En tout cas, faites-vous pas avoir, parce que moi, je me suis déjà fait avoir, hein, quand vous avez un char qui vous colle aux fesses et que vous voulez tourner votre tourelle, bah c'est votre char qui va se mettre à tourner. Enfin, la caisse, du moins, qui va se mettre à tourner. Voilà, mes amis, c'est tout pour aujourd'hui. Donc, dites-moi un petit peu, hein, sur lequel vous êtes plus chaud à partir. Moi, voilà, si je prendrais, ça serait le T28 Prot. Mais bon, les deux sont bien. Mais, voilà. Allez, c'est tout. Bon, en tout cas, mes amis, comme d'habitude, n'hésitez pas à partager, à liker, à commenter. Ça me fera énormément plaisir. Et moi, je vous dis à très, très bientôt pour une seconde prochaine vidéo de distribution de cacahuètes en veux-tu en voilà. Allez, les amis, portez-vous bien la prochaine. Ciao !